S'il y a bien une chose dont tu fais l'expérience absolument tous les jours, c'est que tout tombe toujours par terre. Et ce simple fait est valable pour tout ce qui existe sur la terre. Pour ce monsieur, par exemple, qui ne s'envole juste pas, qui ne peut pas flotter dans l'air, même les taxis, on n'a jamais vu de taxi volant, tout ce qu'il y a, même la pluie, si tu regardes la pluie, elle tombe. Bon, si les grains, les gouttes de pluie sont petites, elles peuvent éventuellement être un peu déportées par le vent, mais finalement, elles finissent toujours par retomber par terre. Et si tu imagines d'ailleurs qu'il y a une gouttière sur les côtés, pardon, un caniveau, eh bien les gouttes de pluie vont tomber dans le caniveau et descendre vers les égouts et toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, au plus bas où elles peuvent aller. Donc tout tend toujours à tomber plus bas et plus bas encore. Si maintenant tu imagines qu'on fait une expérience, donc par exemple on jette des épingles sur une table comme le montre cette image, eh bien les épingles vont tomber sur la table. Et maintenant, s'il y en a qui tombent à côté de la table, eh bien elles vont tomber par terre. Et si on imagine qu'on est au troisième étage, par exemple, et qu'il y a un trou dans le plancher, eh bien, les épingles qui sont tombées dans le trou vont tomber à l'étage d'en dessous. Et ainsi de suite, elles vont toujours, elles aussi, comme les gouttes de pluie, essayer d'aller plus bas et toujours plus bas. Alors, cette remarque, elle est simple, et pourtant, ça a été tenu pour acquis pendant extrêmement longtemps. Bah oui, tout tombe par terre, tout reste accroché, et tend toujours à être. Rien ne flotte, quoi. Eh bien, en fait, il y a un homme, cet homme-là, qui a remis ça en question. Donc cet homme-là, je suppose que tu le connais, il s'appelle Isaac Newton. Isaac Newton. Et Isaac Newton, eh bien, c'est un des plus grands génies de toute l'humanité. C'est un des cinq plus grands esprits qu'on ait connus. C'est vraiment quelqu'un qui a changé beaucoup, beaucoup de choses pour l'humanité. D'ailleurs, il a fait énormément de choses et ce dont je te parle aujourd'hui, c'en est qu'une partie, mais c'est quand même une partie très très intéressante de ce qu'il a fait. Donc, il s'est posé une question extrêmement simple, il s'est demandé, mais pourquoi tout tombe toujours par terre? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, l'histoire veut qu'en fait, cette question lui soit venue alors qu'il était en train de faire sa sieste sous un arbre. Donc, l'histoire veut que ce soit un pommier, donc tu imagines une branche comme ça. Donc il y a des feuilles, voilà, donc il dormait sous cet arbre. Et donc, sur cet arbre, comme c'était un pommier, il y avait une pomme. Et donc, il y a une version de l'histoire d'ailleurs qui dit qu'il faisait sa sieste et que la pomme lui est tombée sur la tête, donc ça s'est cassé ici et que ça l'a réveillé. Et une autre version qui dit qu'en fait il a vu la pomme tomber. Enfin bon, de toute façon, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, on suppose, mais c'est la légende qui dit ça. Et donc il a vu cette pomme tomber, ou alors elle lui est tombée sur la tête, et à ce moment-là, il s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi cette pomme tombe par terre? Pourquoi tout tombe par terre? Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et donc là, c'est vraiment un très bon exemple qu'on peut penser hors des cadres, hors des sentiers battus et sans aucune idée préconçue, et qu'on peut tout remettre en question. Et c'est vraiment une démarche très importante en science. Et donc en fait, cette simple question de pourquoi l'a amené à développer une immense théorie, celle de la mécanique classique, qu'on appelle aussi mécanique newtonienne, après lui d'ailleurs, comme un hommage. Et cette mécanique classique, eh bien, on s'en sert toujours aujourd'hui, et c'est vraiment une part extrêmement importante de la physique. Bon, alors, je te cache pas que depuis une centaine d'années, il y a un homme, lui, donc tu le reconnais, c'est Albert Einstein, qui a un petit peu remis quelque chose, enfin quelques-unes de ces choses en question. Parce qu'en effet, il a démontré que dans des conditions extrêmement particulières, comme par exemple quand tu commences à aller aussi vite que la vitesse de la lumière, eh bien les lois de Newton sont invalidées. Mais bon, comme ça ne t'arrive pas vraiment, on peut dire que pour tout ce qui se passe sur la Terre, dans des conditions tout à fait humaines, eh bien, c'est les lois de Newton qui régissent ces problèmes-là. Donc finalement, tu vois, les scientifiques, les ingénieurs, tous ces gens-là, ils utilisent les lois de Newton pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Eh bien, en fait, tu vois, cette simple question, pourquoi la pomme tombe par terre et plus largement, pourquoi tout tombe toujours par terre, eh bien, a amené Newton à sentir qu'il existait quelque chose qui finalement faisait tomber cette pomme par terre, qui attirait cette pomme par terre. Et la théorie qu'il a développée autour de cela, eh bien, c'est la théorie de la gravité. De la gravité. Hop. Et donc cette théorie de la gravité, non seulement il a eu l'idée
de sentir, on va dire, cette chose qui attire les objets vers la Terre, mais en plus il l'a formulée de manière mathématique par des lois. Et donc une des lois importantes, c'est la loi universelle de la gravitation qui s'écrit comme celle-ci. Elle dit qu'en fait, entre chaque objet possédant une masse, eh bien il y a une force. Donc une force, c'est un vecteur, mais bon là je vais juste te donner l'amplitude. Eh bien une force qui s'écrit de cette façon-là. Elle s'écrit comme grand G, qui est une constante. On en parlera tout à l'heure, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une constante qui est toute petite. Toute petite constante. Et donc cette toute petite constante, on la multiplie par la masse du premier objet fois la masse du second objet et on divise tout cela par la distance entre les deux objets au carré. Donc ça, c'est la distance entre les objets. Et donc voilà, on a une force comme une force dont l'amplitude est égale à ça. Et en fait, tu vois, cette distance entre les objets, eh bien, c'est la distance entre les centres de masse. Donc pour le moment, on va rester assez simple là-dessus. Il y a une vidéo qui explique ça en détail si tu le souhaites. Et là, en fait, tu dois commencer à trouver quelque chose d'un petit peu bizarre, parce que je te dis que cette force de gravité, elle existe entre tous les objets. Oui, mais alors, par exemple, toi, tu es devant ton ordinateur en ce moment. Est-ce que tu es attiré vers ton ordinateur? Est-ce que ton écran est attiré vers toi? Pas vraiment. Donc si on fait un petit dessin pour imaginer, donc il y a un ordinateur, hop, comme celui-là, avec ton clavier, tac, 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 la souris, et en fait t'es devant, comme ça, hop, 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 et bien c'est pas vrai en fait. Vous n'êtes pas attirés l'un vers l'autre. Mais alors est-ce que c'est pas vrai? Eh bien en fait, dans l'absolu, c'est vrai. Il existe une force qui t'attire vers ton ordinateur et une force qui attire ton ordinateur vers toi. Sauf qu'en fait, cette force, elle est négligeable. Elle est négligeable en particulier devant la force qui t'attire toi vers la Terre, celle-ci, et qui attire l'ordinateur vers la Terre. Donc en fait, ces forces qui sont censées vous attirer l'un vers l'autre, elles sont tout à fait négligeables face aux autres forces. Et elles sont négligeables justement parce que G est un tout petit nombre, donc ce que je disais tout à l'heure. Donc si je te donne sa valeur, pour rien de mieux pour comprendre, hop, eh bien en fait, G, il est égal à 6,67, une forme approximée, fois 10 puissance moins 11, bon, et là tu t'accroches, newton, fois des mètres sur des kilogrammes au carré. Donc alors là, tu comprends bien que cette unité qui te semble un peu bizarre, c'est juste pour à la fin avoir la bonne unité, une fois que tu as mis ce pied par tout ça. Et donc tu vois 10 moins 11, mais c'est minuscule, c'est vraiment tout 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 petit. Si j'essaye de l'écrire, pour bien que tu te rendes compte, eh bien je pourrais dire que G, il est égal à 6,67, et 10 moins 11, je peux l'écrire comme étant 0,0, et là je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc t'imagines, c'est vraiment mais minuscule comme nombre. Et donc là, tu comprends où on veut en venir. C'est que si il n'y a pas une des masses qui est suffisamment grande pour rendre ce nombre, enfin pour que la multiplication des deux donne une force de l'ordre du Newton, bien cette force elle est négligeable. Donc c'est pour ça que entre toi et l'ordinateur, elle est vraiment toute 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 petite cette force. Et là tu vois, il y a une chose vraiment intéressante. C'est que si maintenant tu prends comme que m2 est égal à la masse de la Terre et r la distance du centre de la Terre à sa surface, vu que si par exemple on dit que le deuxième objet ici c'est moi, bon mon centre de masse de se trouver quelque part au niveau de mon nombril, c'est pas les 70 cm ou je sais pas qui séparent mon nombril du sol qui vont peser face au rayon de la Terre. Donc on peut dire, tu vois, que s'il s'agit tout simplement du rayon de la Terre ici. Et donc si tu prends tout ça, eh bien la force va se simplifier et on peut l'écrire petit g, qui est l'accélération de la gravité à la surface de la Terre, qui va être égale à 9,8 mètres par seconde carré, qui est bien l'unité d'une accélération, fois m1, fois la deuxième masse. Donc j'ai oublié, donc petit g, c'est le produit de grand G fois m, la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré.
Et donc cette force-là te donne la force de gravité pour tout objet qui se trouve suffisamment proche de la surface de la Terre. Donc si je continue mon exemple, donc moi on va dire que je pèse, je sais pas, 70 kilos, donc en fait on peut calculer, on peut dire que c'est 9,8 fois 70. Donc là si je vais chercher ma petite calculatrice, hop, je peux dire que 9,8 multiplié par 70, eh bien c'est égal à 686. Hop, donc c'est égal à 686. 686 newtons. Donc ça, en fait, tu vois, c'est mon poids. Alors oui, j'ai dit que je pesais 70 kilos, mais c'est pas vrai. C'est ma masse qui est 70 kilos. Mon poids sur la Terre, c'est 686 newtons. Donc, d'ailleurs, j'ai mis newton, mais ce que j'aurais dû mettre pour bien t'expliquer, c'est qu'effectivement, c'est 686 kilogrammes multipliés par des mètres sur des secondes au carré. Et en fait, c'est cette unité-là qui définit un newton. Et donc newton, comme tu t'en doutes, c'est un hommage à Isaac Newton. Donc voilà, donc j'ai bien défini newton. Donc finalement, tu vois que là, on a montré la force que la Terre exerce sur moi. Donc la Terre m'attire vers elle avec une force de 686 newtons. Mais bon, la loi de l'action-réaction te dit que s'il y a une force qui existe dans ce sens-là, il y a l'autre force, celle que moi j'exerce sur la Terre, et que cette force vaut aussi 686 newtons. Alors là, pour mieux comprendre, on va prendre un autre schéma. Donc on va prendre ce schéma-là de la Terre. Donc finalement, hop, ce que je viens de dire, c'est donc que je suis à la surface de la Terre. Donc on va imaginer par exemple que je suis ici dans l'océan. Et donc qu'il existe une force qui m'attire vers le centre de la Terre. Et que cette force vaut 686 newtons. L'amplitude de cette force est 686 newtons. Mais il y a aussi une autre force égale et opposée, qui est celle-ci, qui est la force que moi j'exerce sur la Terre. Et cette force est aussi égale à 686 newtons. Son amplitude est aussi égale. Donc ces deux forces, si je résume, ont la même direction, la même amplitude, mais de sens opposé. Mais tu vas me dire, mais dis donc, vachement fort, quoi. 686 newtons, c'est quand même bien. Mais comment ça se fait que du coup, quand je saute, la Terre, elle n'est pas attirée vers moi, ou des choses comme ça? Eh bien, en fait, pour comprendre mieux, on va imaginer que je suis, je sais pas, en haut d'une montagne, hop, comme ça, et que je vais sauter en parachute. Donc c'est pas vraiment du parachute, du coup, c'est du parapente. Et en fait, avant que je n'ouvre mon parapente, eh bien, je fais de la chute libre. Et donc, quand je suis comme ça, hop, et mon accélération est donc celle de la pesanteur. Mais dans ce cas-là, est-ce que je vois la Terre remonter aussi vers moi et être accélérée? Ben non, pas vraiment, hein. On ressent pas ce genre de choses. Moi, je me vois bien tomber, mais pas l'inverse. Et donc, pour comprendre ça, on va prendre deux cas. Donc, on va calculer un petit peu ce que nous dit la force comme celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la force que la Terre exerce sur moi. La force que la Terre exerce sur moi. Donc, c'est toujours égal à la force F en termes d'amplitude, qui est égale à 686 newtons. Mais c'est aussi égal à la masse, donc la masse, la mienne, donc de moi, fois l'accélération qui n'est rien d'autre que l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc c'est 70 fois 9,8 d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si on change de couleur, on va prendre du vert, et on dit que c'est la force que moi j'exerce sur la Terre, donc cette force-ci. Donc c'est la force que moi j'exerce sur la Terre. Eh bien, c'est toujours égal à F en termes d'amplitude, à 686 newtons, comme on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est égal à la masse de la Terre fois une autre accélération. Eh bien, en fait, c'est là qu'on comprend pourquoi on ne ressent pas cette force. Parce qu'en fait, la masse de la Terre, eh ben, c'est immense, c'est très très grand, c'est très très lourd. Et c'est tellement grand que finalement, pour être toujours égal à 686 newtons, eh bien cette accélération qui fait que la Terre est attirée vers moi, eh bien c'est négligeable, c'est tout à fait négligeable. Et c'est pour ça, tu vois, que quand je saute, eh bien moi je suis accélérée vers la Terre, mais la Terre, elle est accélérée vers moi, mais dans des proportions tellement infimes que ça ne se voit pas.
Donc tu vois, pour résumer tout ça, il est important de comprendre, quand on parle de gravitation, que c'est les masses qui sont importantes, la différence des masses. Si on a deux masses toutes petites, eh bien ces forces sont négligeables. Si on a une masse très lourde et une masse plus petite, eh bien finalement, on va tenir compte d'une seule force, celle que la masse plus lourde exerce sur la masse plus faible, donc celle que la Terre exerce sur moi, par exemple.